Moi, je m'appelle Phobos. Puis je suis la lune de Mars. Mes orbites sont plus aussi relaxes depuis qu'il y a des humains qui vivent par ici. Ma tante Nina essaie de m'expliquer leur comportement extra-martien. Mais moi, je suis convaincu qu'ils sont tous des lunatiques. Port-Royal, ici Crabe 2. Nous approchons maintenant Phobos. On commence présentement la descente. Es-tu complètement chaviré, Svetlana? On est ici pour accomplir une mission purement scientifique. Alors range ta politique puis commence à creuser. Les États-Unis ont bien planté leur drapeau sur la Lune et sur Mars. Alors je ne pense pas que j'exagère en ornant Phobos d'une petite décoration russe. Une décoration? C'est un symbole tatoué de l'impérialiste terrien qu'on était supposé laisser derrière nous en venant sur Mars. Si tu veux, je te laisserai planter ton petit drapeau acadien à côté du mien. Non, merci. Laissez mes empreintes sur un nouveau monde. C'est un honneur en masse pour moi. Porte. Aïe, aïe! Oh, oh! Lina! Lina! Oh, tu oses interrompre ma sieste de beauté? Ça ne fait même pas un centième d'orbite que les humains se sont posés sur moi. Que déjà, ils chicanent! Qu'est-ce que tu leur as fait cette fois? Rien du tout. En fait, c'est eux qui m'ont attaqué! Ils m'ont planté quelque chose en plein dans le coco! Un drapeau, je parie. J'ai rien contre ton pays! C'est juste que j'aime pas le nationalisme! Ça m'éniaque à des gars! Oh! L'Acadie n'a jamais été une superpuissance! Tu ne connais pas la frustration de se faire continuellement devancer par les Américains! Mon cher Phobos, tu es en train d'assister au plus récent chapitre d'une longue et ancienne histoire qui s'appelle la course vers l'espace. Il y a plusieurs milliers d'orbites, les humains m'observaient, me craignaient et me vénéraient. Mais quand ils ont découvert le feu, ils ont tout de suite perdu intérêt en moi. Feu, vent, beau, rouge. Ah bah, reprise, même chose que hier soir. Oui, mettre un autre bûche. Il fallait que je fasse quelque chose si je tenais à ce qu'un jour ils puissent venir me voir dans l'espace. Youhou! Luna, au! Au! Oh,
Après m'avoir fait la cour pendant 10 000 orbites, l'humanité, sous le déguisement de Neil Armstrong, est finalement venue me prendre dans ses bras. Hélas, mon bonheur fut de courte durée car, une fois qu'ils m'ont eu, leur intérêt pour moi s'est évaporé comme une goutte d'eau dans le Sahara. Tous leurs yeux se sont pointés vers leur prochaine conquête, Mars, la rousse. Ils se sont rendus compte que t'étais plus qu'une grosse boule grise pleine de cratères. Moi, je me sens comme une vieille vedette de film en noir et blanc qu'on a oublié. Maintenant, c'est à mon tour de me faire vénérer. Il va falloir que tu t'habitues au fait que ce n'est plus toi qui veux la patate, moi. La lune la plus populaire du système solaire. Petit schnappon. Il y a encore quelques humains qui me chérissent. Ouais, qui ça? Du monde comme Meryl Monday. Ouais, c'est qui celui-là? Ton petit chouchou. Je vais te raconter, moi, c'est qui Meryl Monday. Et tu verras que je ne suis pas aussi ratatinée que tu t'imagines. Avant qu'il me rencontre, Meryl était l'homme le plus ennuyeux sur Terre. Sur Terre. Prêt pour un petit test? Oui. Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Qu'est-ce que tu vois? Une tache d'encre. T'es sûr? Y'a rien d'autre? Vraiment rien d'autre? Tu vois pas le soleil de mer? Encore un chat qui s'est fait pogner la queue d'un ascenseur? Ok. Je viens de la planète. Choisis une couleur. Ah, ça marche-tu, ça? Monica, des applauds avec ça? Regarde bien le dessin, là. Qu'est-ce que tu penses que le coyote est dit ou petit lapin? Premièrement, un lapin, ça hurle pas à la lune. Et deuxièmement, un coyote, ça parle pas. Couris-tu, mon carrefour, là? Pardon? Du bruit d'un, vous dites ou quoi? Désolé. Je suis unilingue. Si cet homme, Meryl Monday, n'est pas l'homme avec le moins d'imagination au monde, je mange mon sofa. Il est l'astronaute idéal pour notre mission secrète. Ici Meryl Monday d'Apollo 18. Je vous parle à partir de la base Tchelskotsky sur la face cachée de la Lune. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la seule différence entre la face visible et la face cachée de la Lune, il y en a une qui est visible et l'autre est cachée. Je vais maintenant découvrir les tâches qui m'ont été assignées par Brian Couch. Première tâche. Peindre un tableau lunaire. Deuxième tâche. Composer un poème en vers alexandrin. Troisième tâche, improviser une pièce musicale à l'harmonica. Je suis pas un artiste, moi. J'aurais bien mieux aimé faire quelque chose de plus simple comme je pourrais. Compter des cratères. Je vais enfin pouvoir utiliser ma couleur préférée. Le gris.
Rapport de ma première journée sur la Lune. J'ai fait 2 peintures. La première, la deuxième. J'aime mieux celle-là. Et je me suis fait mal aux dents en essayant de jouer au clair de la Lune à l'harmonica. Ce fut une journée très éprouvante. Et je sens que je vais m'endormir. Tiens, bois ceci, ça devrait t'aider. C'est quoi? Du soma, le nectar de la lune. De mon exil lunaire, j'ai été libéré par l'astre du mystère. Oh, imagination, brûle en moi comme une flamme. Adieu, mur gris, qui entourait jadis mon âme. C'est bon, c'est bon. Baz Tiolkovski, ici le Michelangelo. Meryl, prépare-toi un rendez-vous avec nous dans 15 minutes. Comment diantre se fait-il que vous me contactiez? Ça ne fait point 3 jours que nous nous sommes laissés. Nous sommes bien le 16 décembre 1973, et il est présentement 21h58. Alors grouille-toi, Monday. Je ne quitterai pas mon paradis lunaire pour retourner à l'enfer de la planète Terre. Meryl, es-tu viré complètement lunatique? Je te signale qu'il ne te reste plus que 4 heures d'oxygène. V'là, en effet, un argument convaincant. Pauvre de moi, il ne me reste plus grand temps. Mais comment a-t-il fait pour faire une si belle œuvre? Ah, mais c'est à cause de l'imaginatique. C'est une force naturelle, comme la gravité, sauf que c'est son opposé. Oh, comme de l'antigravité? Non. La gravité, vois-tu, exerce une pression vers le bas. Tandis que l'imaginatique, hiver. Pression créatrice vers l'eau. J'admets que cette montagne d'inspiration aurait fait une belle exposition à la galerie sans nom. Mais comment prouver l'existence de l'imaginatique? Ce gars-là aurait pu prendre un cours de peinture. Ah. Durant une petite vacance sur la face cachée de la Lune, notre bon ami Meryl Monday, celui-là même que vous avez qualifié de homme le plus plate du monde entier, s'est soudain métamorphosé en Van Gogh, Rimbaud et Miles Davis. Et alors? Mais alors, je conclus qu'en plus d'exercer une force gravitationnelle sur la Terre, la Lune
lui envoie des rayons d'imaginatique. Avant aujourd'hui, tout cela n'était que théorie. Et maintenant, c'est une loi. Ma loi. La loi de Chaos. Chaos. Ah, la loi de Chaos. La loi de Chaos. La loi de Chaos. Il faut à tout prix que vous me renvoyiez sur la Lune. Ah, ça c'est facile. Non, me renvoyer sur la Lune, je dois y retourner. Mais voyons, Meryl, aurais-tu oublié comment rimer? Oui, depuis que je suis revenu, je me sens vide. Vide comme... Le budget de la navale? Bon, désolé, Picasso, pour le programme Apollo... Plus personne n'ira sur la Lune, chérie. Pour bien des années. Non, la Lune est tellement belle. Elle va s'ennuyer là-haut, sans moi. T'en fais pas, Roméo. Des 13 astronautes qui ont visité la Lune, je ne pense pas que c'est toi qu'elle va regretter le plus. Si Nasal laisse tomber la Lune, je laisse tomber Nasal. Désolé, Meryl, mais tes œuvres appartiennent maintenant à Nasal. Mais nous allons quand même te laisser un petit cadeau souvenir. Pauvre Meryl. Comme il ne pouvait plus venir me rejoindre physiquement, il a décidé de m'ignorer en se retirant dans son cocon. Pendant plus de 40 orbites, cet homme têtu ne m'a même pas regardé une seule fois. Heureusement, tout cela a changé grâce à l'intervention d'une mythe lunaire. De voir le docteur Pilule. C'est urgent, urgent! Asseyez-vous et soyez patient, patient! La petite Laïka, elle aime ça courir après les autos. Hein? Ben, c'est rien que les autos avec des plaques personnalisées. As-tu vu ça? Hein? On va retourner sur la Lune? Ben, youptidou! C'est juste une grosse boule grise. Puis, de toute façon, là, hein, l'article que t'as lu, là, c'est préhistorique. Regarde la date. C'est vieux de 4 ans, cette affaire-là. Ben, prends un tour, faroulette! Ah, ah! Meryl Monday, pour voir le docteur Pilule. Alors, mon vieux, quelle mouche t'a piqué cette fois? Pas une mouche, une mythe! Mais chez vétérinaire, pas un entomologiste! C'est un animal, ça! Il y a juste plus de pattes! Ok, ok, ok. Alors, raconte-moi ce qui lui est arrivé à ta petite bestiole. C'est la chose la plus excitante qui m'est arrivée dans 40 ans. Mm-hmm. Ma petite amie, elle a sorti de son cocon, là. Mm-hmm. Puis...
vers la Lune, comme une Apollo. J'ai déjà entendu parler d'un comportement pareil. Luna, ah, mais voulez-vous même dire pourquoi est-ce qu'une mythe ferait quelque chose comme ça? Elle a probablement été attirée par la lumière de la Lune. J'ai lu quelque part que les mythes sont des insectes lunaires et qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de retourner vers sa lune ancestrale. Si j'amenais la mythe sur la lune, penses-tu qu'elle guérirait? Je suppose. Et si la lune venait jusqu'à elle? Une roche lunaire? As-tu acheté ça au Gédibon? Non. J'ai ramassé ça moi-même longtemps, longtemps passé. Quand j'étais un astronaute. C'est comme je disais, c'est l'heure destinée de retourner sur la Lune. Dans le vieux temps, il fallait être un astronaute pour aller sur la Lune. Maintenant, ça a l'air qu'on a seulement besoin d'être un mineur. Je ne devrais pas avoir trop de problèmes à me faire passer pour un employé de Rapace Inc. Votre nom? Meryl Monday. Numéro de poste? 3-2-1. Alors, vous dites que vous travaillez pour Rapace Incorporé, hein? Oui, je suis superviseur. Un mineur supérieur. Monsieur Monday, il n'y a pas encore de club de l'âge d'or sur la Lune. Alors, d'ici ce temps-là, je vous suggère de vous acheter un télescope. Oui, mais c'est parce que... Voilà enfin. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour venir me voir? T'es tout ridé maintenant. Plus de 400 000 kilomètres nous séparaient. Et Nasal n'avait plus un sou dans son budget. Mon cher Nono, tu aurais pu me visiter quand bon te semblait. Une fois que tu as goûté au soma, tu n'as plus besoin de fusée pour venir jusqu'ici. L'imagination est le moyen de transport le plus efficace de l'univers. Mais pas tout faroulette, c'est pas vrai! Ne sois pas chagriné. Après tout, tu es ici, n'est-ce pas? C'est toi le seul à avoir touché ma face cachée. Blarc! Ah, tu vas pas commencer à me raconter toutes ces histoires sentimentales? Je suppose que je t'en ai dit assez. Laisse-moi juste ajouter que Meryl vient encore me visiter régulièrement. Ouais, il faut que j'admette que tu vis bien, ma tante. Tu possèdes encore un certain... je ne sais pas pourquoi... qui pourrait encore... charmer. Mais un jour, une martienne va me dédier un poème ou peindre mon portrait. Tu es presque aussi vaniteux que moi. Il fait dur, notre Phobos? Et dire que j'ai presque planté mon drapeau sur lui.